Commençons ce culte avec les mots de Jean Calvin. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me suis confié en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'ai élevé mon âme à toi. Éternel, délivre-moi de mes ennemis. Je me suis retiré vers toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans le droit chemin. Mon Dieu, mon Père et mon Sauveur, puisqu'il t'a plu de me conserver par ta grâce pendant la nuit qui vient de finir et jusqu'au jour qui commence, fais que je l'emploie tout entier à ton servir et que je ne pense, ne dise ou ne fasse rien qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté, afin que toutes mes actions se rapportent à la gloire de ton nom et au salut de mes frères. Et de même, pour cette vie terrestre, tu fais luire ton soleil sur le monde, veuille aussi éclairer mon intelligence par la clarté de ton esprit, afin de me diriger dans la voie de ta justice. Ainsi, ô mon Dieu, à quelque chose que je m'applique, que mon but soit toujours de te servir et de t'honorer, attendant tout mon bien de ta seule bénédiction et n'entreprenant rien qui ne te soit agréable. Fais aussi, Seigneur, que tout en travaillant pour mon corps et pour la vie présente, j'élève mon âme plus haut jusqu'à cette vie céleste et bienheureuse que tu réserves à tes enfants. Qu'il te plaise d'être le protecteur de mon âme comme de mon corps, afin de me fortifier contre toutes les tentations de Satan et de me délivrer de tous les dangers qui me menacent sans cesse. Et puisque ce n'est rien de commencer si l'on ne persévère, je te demande, ô Dieu, de me conduire et de me diriger non pas ce jour seulement, mais jusqu'à la fin de ma vie. Veuille aussi augmenter continuellement en moi les dons de ta grâce, afin que je progresse de jour en jour, jusqu'à ce que je parvienne à la pleine communion de ton Fils Jésus-Christ, qui est la vraie lumière de nos âmes. Mais, ô mon Dieu, pour que je puisse obtenir de toi de si grands bienfaits, veuille oublier tous mes péchés et me les pardonner, selon ta miséricorde infinie, comme tu l'as promis à tous ceux qui t'invoqueront d'un cœur sincère, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. La grâce et la paix de notre Sauveur Jésus-Christ sont sur nous. Amen. Louons le Seigneur avec les mots du psalmiste. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta gloire. Je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci et chanter ta louange, toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand, il mérite des louanges, personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération vantera tes actions à la suivante, elle racontera tes exploits. Je redirai combien ta gloire est magnifique, je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible, et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. On se souviendra de ton immense bonté, on criera de joie pour ta fidélité. Le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse, il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tous, il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Amen. Bienvenue à tous et à toutes pour ce temps de culte, un temps de culte que nous vivrons aux côtés des pèlerins d'Emmaüs. Alors, depuis vos logements, en chemin avec Jésus pour ce temps de culte. Amen. Thank you.
lisons dans Luc 24 les chapitres 13 à 35. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'est passé ces jours-ci. »« Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues au tombeau un grand matin, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'un ange qui les déclare vivants. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont vu était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il lui dit, « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se mit à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Alors suivons ces drôles de pèlerins sortant de Jérusalem, deux pèlerins. Le texte nous en présente un, du nom de Cléopas. Cléopas. Certaines traditions le présentent comme le frère de Joseph, donc l'oncle de Jésus. Interruption extraordinaire de notre programme pour une édition spéciale. Oh, qu'est-ce qui vous arrive ? On n'interrompt pas une prédication comme cela.
Qu'est-ce qu'il y a de si urgent là? Si c'est encore pour nous parler du coronavirus, franchement, ça peut attendre. Hein. Nous n'entendons que ça depuis qu'un mois et demi. Vous pensez bien, monsieur le pasteur, que nous avons une très bonne raison d'interrompre le culte. Et rassurez-vous, nos informations seront garanties 100% sans coronavirus. Ah, bah, vous m'envoyez fort aise, mais franchement, qu'y a-t-il de si urgent? Nous avons des révélations sur l'affaire du chemin d'Emmaüs. Ça pourrait même vous intéresser, monsieur le pasteur. Bon, eh ben, puisque si c'est important, je demande à voir et entendre. Restez en ligne, monsieur le pasteur. Nous aurons peut-être besoin de vous avec votre expertise tout à l'heure. Petit rappel des faits. L'histoire commence donc par un récit de l'évangile de Luc. En voici le résumé. Et voici que, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le récit n'est pas si clair, mesdames et messieurs, et de nombreuses zones d'ombre perdurent autour de ce texte. Mais grâce à notre cellule d'investigation, nous avons avancé sur certains points. C'est ce que nous vous proposons de voir dans notre émission spéciale aujourd'hui. Tout d'abord, il y a une incertitude sur le lieu et le personnage. Nous avons en direct de Jérusalem Monsieur Ben Bruno qui va nous rejoindre. Allô, Monsieur Ben Bruno, est-ce que vous nous attendez? Vous nous entendez? Allô? Oui, vous nous entendez, Monsieur Ben Bruno? Oui, je vous entends très bien, madame. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez avoir des informations sur cette affaire d'Emmaüs? Absolument. En effet, Emmaüs, déjà, est-ce que vous avez pu localiser le lieu du village? Oh là 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 là. Alors, Emmaüs, c'est une grande histoire. Hein. Il y a une imprécision sur le lieu. J'ai consulté un petit peu les archives, il y a une soixantaine d'études universitaires qui se sont intéressées à localiser ce lieu. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'Emmaüs, ça signifie en grec « source chaude » et le texte précise, comme vous l'avez entendu, que c'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Donc, en fait, en gros, il y aurait 5 lieux possibles. Et franchement, aucun avis définitif. La dernière étude en date, date de novembre 2019. Bon, ce qui est étonnant avec ce texte, c'est que dans une première lecture, nous avons l'impression d'avoir un récit bien défini de personnes de l'entourage de Jésus, dont Cléopas, et un chemin de 2 heures de temps, Jérusalem à Emmaüs. Mais si je comprends bien, c'est pas si clair que ça. On a bien compris pour le lieu, mais qu'en est-il pour les deux personnes qui marchent sur ce chemin? Ah bah là, il y a aussi une incertitude. Hein. Deux pèlerins, le texte nous en présente un du nom de Cléopas. Cléopas, alors là aussi, certaines traditions le présentent comme le fils de Joseph, donc l'oncle de Jésus. Mais finalement, peu importe. Il est en revanche intéressant de constater que Cléopas ne fait bien sûr pas partie des 12 disciples et que là, on s'intéresse à un groupe plus large que celui qui entourait Jésus. Et autre mystère du texte, la personne qui chemine avec lui. Alors, si vous regardez toutes les représentations qu'on a faites de ces pèlerins d'Emmaüs, il y en a la grande, grande majorité, même quasi l'unanimité, qui représente deux hommes. Mais si vous lisez bien le texte, eh bien, rien ne dit que ce n'est pas une femme. Surtout que Luc, il nous a un petit peu habitués à présenter des couples. Par exemple, au début de son évangile, il y a Élisabeth et Zacharie, il y a Marie et Joseph dans le premier chapitre. Puis après, il y a toujours des couples avec un masculin, un féminin, le berger et sa brebis égarée, la femme et sa pièce d'argent. Et ces couples hommes-femmes sont réunis dans une unité littéraire. Alors, il se peut que ce soit un couple homme-femme qui marche lui aussi sur le chemin d'Emmaüs.
Alors ça, pour une révélation, c'est une révélation, une femme sur le chemin d'Emmaüs. Vous êtes sérieux? Eh oui. Pourquoi pas? Les femmes ont une grande importance dans cette histoire de la résurrection. Donc pourquoi pas un homme et une femme qui marchent sur le chemin d'Emmaüs? C'est une hypothèse à ne pas négliger. Après, finalement, la destination, l'identité des personnages, est-ce si important que cela? Je vous pose la question. Et par rapport à ça, je trouve fabuleux que finalement il y ait ce flou sur ce pèlerin mystère, parce que ça nous permet de nous glisser dans la peau de ce personnage, homme-femme, qui chemine à côté de Cléopas vers la destination qu'ils se sont donnée ensemble. Merci, Monsieur Ben Bruno. Donc, nous continuerons. Voici des explications qui ont élargi notre tour d'horizon. C'est clair. D'ailleurs, la destination et le chemin ne sont que prétextes. L'important est, ce sont bien sûr les échanges entre les personnages, le fait de faire route ensemble et la rencontre qu'ils vont faire. C'est évidemment la rencontre qui est au centre de notre investigation. Car au milieu de toutes ces imprécisions, l'absent va faire interruption. C'est ce que nous allons un petit peu creuser, c'est cet aspect qu'on va creuser un tout petit peu maintenant. Mais pour en parler, nous allons essayer de retourner vers notre pasteur. Évidemment, s'il ne boude pas dans son petit coin parce qu'on a interrompu la prédication. Alors, on va voir s'il est de nouveau avec nous. Mon cher monsieur le pasteur, souhaitez-vous réagir à l'exposé de monsieur Ben Bruno que nous venons d'entendre? Avec joie, et comme vous voyez, je ne boude pas, je suis toujours content d'être avec vous et effectivement de poursuivre ce très très intéressant dialogue avec vous, très chère Eva. Il était bien, hein, votre scientifique. Le gars très très honnête intellectuellement, je trouve d'ailleurs que physiquement, hein, sans les lunettes, il me ressemble un peu. J'ai peut-être de la famille en Terre Sainte. Peut-être, mais vous nous reparlerez de vos recherches généalogiques peut-être à un autre moment que cette émission spéciale, s'il vous plaît. Revenons sur le chemin d'Emmaüs, monsieur le pasteur. Alors, voilà. Alors, on a donc ces deux personnes qui s'entretiennent en marchant, et voilà qu'ils sont rejoints par Jésus qui fait route avec eux. Et là, on va dépasser largement le cadre d'un banal événement, d'une rencontre sur un chemin entre trois randonneurs. Parce qu'il y a deux verbes forts qui vont arriver ici, rejoindre et faire route. Et là, on est vraiment dans cette thématique de Pâques. L'absent est présent, mais les voyageurs ne l'ont toujours pas reconnu. Peut-être qu'il serait aidant pour compléter l'idée absence-présence, d'ajouter les notions d'après-coup et de déjà-là. Les deux marcheurs ne réalisent qu'après-coup que Jésus était déjà-là. C'est tout le paradoxe de la résurrection. Un peu comme les femmes au tombeau, elles vivent aussi cette expérience. Le corps est absent, mais Jésus est déjà là, déjà présent. Elles le réalisent après-coup, une fois qu'elles ont parlé avec deux anges. Vous êtes tout à fait pertinente. Effectivement, le passage de l'absence à la présence est le fruit d'un cheminement ensemble. Et d'un coup, les écailles tombent des yeux, généralement après une longue gestation. Parce que finalement, on se demande pourquoi les disciples ont tant de mal à le reconnaître. Ils avaient entendu l'enseignement de Jésus dans Luc 18, par exemple. On le livrera aux païens qui se moqueront de lui, l'insulteront et cracheront sur lui, ils le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et le troisième jour, il se relèvera de la mort. Et finalement, ils n'arrivent pas à faire coïncider ce qu'ils ont entendu avec ce qu'ils sont en train de vivre. Effectivement, nous pouvons imaginer leur grosse frustration. Ils se sentent floués par rapport à ce qu'ils avaient cru. Alors, ils sont vraiment déçus et en colère. Ah oui, alors ça, la frustration, c'est mauvais et ça amène la colère.
Et je pense que c'est pour cela que Cléopas, il n'est pas très sympa avec ce nouveau venu et il l'accueille vertement. Celui qui ignore ce qui s'est passé à Jérusalem, en lui faisant cette réplique cinglante, tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'est passé ces jours-là. En sachant nous-mêmes qu'il s'adresse à Jésus, ce n'est pas sans saveur. Mais bon, Cléopas souffre et donc il agresse Jésus. Et Jésus lui rendra un petit peu l'appareil parce qu'il n'hésitera pas aussi à bousculer les marcheurs en les apostrophant tout aussi vertement. Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Jésus, là, il est vraiment dur avec eux, il les réprimande pour leur méconnaissance des Écritures saintes et leur manque de foi. La foi n'est pas qu'intellectuelle, elle est aussi affective, personnelle et existentielle. Effectivement, c'est vraiment ce grand enjeu du chemin d'Emmaüs, de connaître les choses, mais de les passer dans son cœur, dans sa tête, dans son corps, dans sa foi. Et finalement, ce chemin d'Emmaüs, je l'emprunte. Et puis peut-être que vous-même, chère Eva, vous l'empruntez aussi souvent avec Cléopas et vos auditeurs, vos auditrices aussi. Parce que souvent, nous arrivons avec nos attentes, nos envies, nos projections face à Jésus et nous marchons en discutant, un peu perdus. Effectivement, je le parcours quand je me pose des questions comme « Suis-je assez bonne chrétienne ?» Oui, ou encore « Comment croire sans avoir vu le ressuscité de mes propres yeux ?» Pourquoi à la première difficulté, je cède à la facilité et m'écarte de Dieu ? Ou bien, comment se fait-il que j'ai tant mal à la confiance ? Pourquoi ma vie n'est-elle pas libérée de fond en comble par mon Sauveur ? Mille et une questions. Eh oui, mille et une questions, mille et une questions. Et heureusement, Jésus, le troisième compagnon, marche sur le chemin et répond. Tu n'as pas besoin de croire à des choses absurdes. Regarde. Avec ton intelligence, ton cœur, tout est déjà là. C'est ce qu'il nous dit sur ce chemin d'Emmaüs. Et finalement, la libération ne vient pas d'une folle inconscience, mais de ce cheminement, d'un long cheminement avec tes compagnons et tes compagnes de voyage. Alors, en marchant, discutons ensemble et laissons-nous rejoindre. Il est déjà là. Amen.
Seigneur, viens nous rejoindre sur nos chemins, comme tu l'as fait jadis pour les disciples d'Emmaüs. Que malgré nos soucis dus au Covid, nos chagrins, nos doutes, nous ressentions ta présence à nos côtés. Sois notre compagnon d'attente de jours meilleurs, notre réconfort, notre bouffée d'espérance. Nous te confions ceux qui souffrent dans leur corps, leur cœur et tous ceux qui prennent soin d'eux et de nous. En ce temps de crise, soutiens les personnes qui décident de notre avenir sanitaire et économique. Nous te prions pour nos familles et nos amis. Aide-nous à attendre avec patience le jour où nous pourrons à nouveau les serrer dans nos bras. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui permettent que ta parole de vie, d'amour et de paix vienne habiter nos confinements. Et ensemble et unis malgré tout, nous te prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce culte. Merci à Morissette ce matin qui était avec nous pour les lectures et la prière. Merci aux musiciens et musiciennes, Soumi et Yves. Merci à la journaliste Eva qui a quand même bien fait de nous interrompre pendant le culte. C'est elle aussi qui assurera le montage. Merci à elle. Oui, mon Dieu, je ressens une forte envie de vivre, de jouer, de rire, loin de l'utile, loin de l'efficacité, loin des modes, proche des petits bonheurs à partager, en compagnie des autres et près de toi. Juste pour rien, juste comme ça, écoute mon Dieu, si tu veux bien m'y pousser un peu, à goûter à ces petits riens, qui font tout, tout, presque tout. Ce serait merveilleux. Le Dieu des tout petits riens et des grandes choses vous donne sa bénédiction ici et maintenant. Amen.